Bonsoir à tous, bienvenue pour ce live de 2021, premier live on peut dire, puisque c'est un nouveau. Et nous recevons ce soir le général Didier Tauzin, nous recevons également Mathieu, et je suis en présence comme d'habitude évidemment de Pat et Lydiam. Et évidemment, la technique, on a nos amis, Paul, Mathieu, en back-office. Voilà. Monsieur Tauzin et Mathieu, présentez-vous. Allez-y, mon général. Bien. J'ai 70 ans cette année. Je suis originaire d'une famille, de famille très très simple, puisque mon père a commencé sa vie comme commis de ferme. Ses parents étaient complètement analphabètes. Et ma mère était d'une famille de petits propriétaires terriens. Mon père a fait les trois guerres, 39-45, Indochine-Algérie. Pour les militaires, les connaisseurs, il a terminé sa vie militaire avec 18 citations, dont 8 palmes, c'est quand même pas mal. Et puis, pour ma part, je suis Saint-Cyrien, et j'ai commandé le premier régiment parachutiste d'infanterie de marine, dont le drapeau est derrière moi, et qui est installé à Bayonne, un régiment de forces spéciales, en mon actif une vingtaine d'opérations extérieures. Ensuite de quoi, j'ai commandé le service militaire adapté, qui est un service d'insertion pour les jeunes d'outre-mer qui sont perdus, qui sont à la rue. Et puis, à la demande de Michel Omari, j'ai créé l'EPID, établissement public d'insertion de la défense, qui initialement était prévu pour 150 000 jeunes par an, garçons et filles, et qui malheureusement croupit toujours à 3000, mais il a peut-être, j'espère toujours du moins, des résultats magnifiques en termes d'insertion. Après ma carrière militaire, eh bien, j'ai créé une école au Sénégal, au pays où je suis né d'ailleurs, et cette école fonctionne. Aujourd'hui, elle compte environ 150 gamins, et nous créons une école, une classe chaque année. En 2013, suite à la manif pour tous, j'ai décidé de m'engager en politique. J'ai commis 4 bouquins politiques, et puis, alors que je ne croyais pas du tout au succès de mes bouquins, eh bien, le succès est venu, et donc l'équipe qui s'est formée autour de moi m'a convaincu de m'engager pour la présidentielle de 2017. J'ai donc été candidat à la candidature en 2017. Au bout du compte, j'ai eu entre 500 et 800 promesses de parrainage, mais 84 parrainages effectifs seulement. Donc je n'ai pas pu me présenter. Si ça vous intéresse, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Je n'ai eu que 84 parrainages. Et donc, si vous voulez, après la présidentielle, j'ai considéré que bon, il fallait que je me repose un petit peu parce que c'est très fatigant. Mais je reste complètement disponible pour des responsabilités de niveau national, parce que je pense très sincèrement et après avoir étudié mes capacités, n'est-ce pas? En avoir la possibilité, en avoir la capacité de. Voilà, voilà ma vie très rapidement. Mathieu, à toi de te présenter. Oui, ben voilà, je m'appelle Mathieu, j'ai 16 ans, je suis actuellement en classe de seconde au lycée, j'habite à Clermont-Ferrand. J'ai commencé mon activité médiatique, si je puis dire, il y a de cela quelques mois. J'ai commencé en mars 2020 et depuis, donc, je fais partie d'une association de médias, donc un collectif média qui s'appelle Acide Média. Donc c'est une collaboration avec plusieurs médias qui font partie d'une même association, ce qui permet d'échanger sur certains sujets, sur certains savoir-faire, etc. Et donc depuis, je suis sur les réseaux sociaux et je partage dans diverses émissions mon point de vue, mais également ceux de mes invités. Je crée des émissions de débat. Donc à peu près, voilà, c'est à peu près ma vie en 2 minutes. Ok. Moi, je suis ravi de vous accueillir encore, mon général, comme toujours. Ça me fait un grand plaisir. Et je vais laisser la main à Mathieu, qui va commencer, et je la reprendrai au fur et à mesure. Merci, Elysium. Alors, mon général, moi, j'avais une petite question pour vous. Donc, la première, c'est quelle est votre vision de la gestion par le gouvernement des problèmes liés à l'extrémisme religieux ? Extrémisme religieux, je crois qu'on devrait dire d'abord extrémisme islamiste.
parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres en France que je sache. Hein. Donc la gestion, deuxièmement, gestion, c'est un mot qui n'est pas forcément adapté parce que on est en politique. Un gouvernement, c'est fait pour faire de la politique et non pas pour faire de la gestion. Et l'un des drames, justement, de nos 50 dernières années en France, c'est que nous avons eu des gouvernements qui ont confondu presque systématiquement et de plus en plus politique et gestion. Bon, maintenant, pour en revenir au fait lui-même, l'extrémisme islamiste, ça réfère bien entendu au Coran. Là, il faut faire très attention. Premièrement, distinguer le Coran, l'islam et les musulmans. Les musulmans qui sont des êtres de chair et de sang, qui sont nos frères humains, hein, et qui sont musulmans. Mais dans le Coran, que je connais un petit peu, et il se trouve que je lis encore un livre en ce moment sur l'islam, eh bien, il y a tout ce qu'il faut pour pousser à l'intégrisme. Il y a tout ce qu'il faut pour pousser à la guerre permanente. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. Vous avez un écrivain, dont j'ai oublié le nom maintenant, je le retrouverai tout à l'heure, qui dit, un écrivain musulman, hein, qui dit que la vocation de l'islam, c'est de convertir, conquérir et gouverner le monde. Donc, par nature, l'islam est porteur, si vous voulez, de ces forces de combat qui maintes fois dans l'histoire de l'islam, ont donné dans le terrorisme. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on vit dans le monde du terrorisme islamiste. Je rappelle que nos ancêtres qui ont fait les croisades se sont heurtés eux aussi à des terroristes à l'époque. C'était le vieux de la montagne. Ensuite, le père de Foucault a été assassiné par les terroristes de l'époque. De même, au XIXe siècle, au Soudan, il y avait des terroristes, etc., islamistes. Ce n'est pas un phénomène nouveau, et c'est un phénomène qui est malheureusement inhérent à l'islam. Ce n'est pas un phénomène qui est inhérent aux musulmans, qui sont des hommes et des femmes comme vous et moi, mais à l'islam qui est certes une religion, mais en même temps, et peut-être plus encore, une idéologie de conquête. Donc, si vous voulez, le gouvernement n'a pas pris la mesure de cela. Le gouvernement n'a pas pris la mesure du fait qu'il ne connaît pas l'islam. Je me demande s'il y a au gouvernement quelqu'un qui ait un peu étudié l'islam et qui aboutisse à ces réflexions que je viens de faire. Je n'en suis pas certain du tout, parce que nous sommes en présence de gens dans nos gouvernements qui pensent carrière, qui pensent argent, pas forcément pour eux, mais enfin tout tourne autour de l'argent et de la carrière. Eh bien, à partir de là, si vous voulez, on ne peut pas faire de la bonne politique. Ce n'est pas possible. La politique, c'est un service. Eux se mettent au service d'eux-mêmes ou du fric. Donc, ils ne peuvent pas, entre guillemets, gérer cette affaire-là de manière saine. Que faudrait-il faire? Eh bien, réaffirmer que la France n'est pas un pays musulman. Et que si elle devient un pays musulman, eh bien, il y aura nécessairement des transformations radicales avec un bain de sang, ça ne pourra pas être autrement. Et il faut réaffirmer que les musulmans qui viennent en France doivent devenir français. Je ne veux pas dire qu'ils doivent quitter l'islam, mais ils doivent enlever de l'islam ce qu'il y a de belligène, ce qui provoque les conflits en permanence. Mais ça, nos gouvernants ne sont pas capables de le faire. Voilà. Oui, je vais rebondir là-dessus, mon général. Je pense que ce sont des opportunistes qui nous gouvernent. Et ils ne veulent pas bouger les cases, hein. Hors de question. Vous avez raison, ils ne veulent pas bouger les cases, et ils ont une vue à très court terme. Écoutez, 5 ans en politique, c'est du très court terme, c'est du claquement de doigts. Le long terme politique, c'est au minimum 50 ans. Hein? Vous avez des peuples dans le monde, par exemple les Chinois, qui raisonnent à 100 ans. Hein, les Russes raisonnent à 50, 60 ans. Hein, et nous, on raisonne à quelques années. Mais c'est de la rigolade, pardonnez-moi. Hein, on ne peut rien gérer correctement. Quand se présente un problème, eh bien, on le pousse pendant 5 ans en se disant si on n'est pas réélu, ce sera pour les autres. C'est ça qui se passe. Hein. Et c'est vrai pour l'islam. Dans ma jeunesse, quand j'avais ton âge, Mathieu, il n'y avait pas de communauté musulmane en France. Il y avait quelques musulmans. Hein, qui ça se passait très très bien d'ailleurs. Hein. Et cette communauté musulmane a été constituée, s'est constituée à partir de Giscard d'Estaing.
Donc on a fait entrer des musulmans de plus en plus nombreux, essentiellement pour des raisons économiques. Ils coûtaient moins cher aux entreprises. Et ensuite, on a fait entrer les familles, et puis les flots ont grossi, et maintenant, nous avons environ 20% de la population nationale, sur le territoire national, qui est musulmane. Et dans un pays dont les racines, qu'on le veuille ou non, qu'on soit croyant ou non, pratiquant ou non, le problème n'est pas là, mais les racines de la France sont chrétiennes. On ne peut pas dire autre chose. Eh bien, dans un pays dont les racines sont chrétiennes, eh bien, on a introduit quelque chose qui peut faire éclater la nation. Éclater le pays. Voilà. Et donc, cette gestion, entre guillemets, est catastrophique. Et encore une fois, ce ne sont pas les musulmans eux-mêmes qui en sont responsables. Il ne faut pas jeter la pierre à ceux qui ne sont pas responsables. Ce sont nos gouvernants depuis 50 ans. Ouais. Mathieu ? Oui. Oui, alors moi je vais juste placer un petit peu mon point de vue là-dessus. Alors je vous rejoins sur certaines idées en effet concernant quand les musulmans commençaient à arriver en France, notamment il y a eu le regroupement familial. Alors je sais plus quand c'était Giscard d'Estaing. Oui, c'est Giscard d'Estaing, merci. Alors l'extrémisme religieux, moi je pense que il n'y a pas que le problème de l'islam. L'islam, c'est certes un problème, mais il y a aussi l'extrémisme des autres religions. Et il y a des extrémistes partout. Il y en a dans les catholiques, dans les chrétiens, dans toutes les religions. C'est par exemple les témoins de Jéhovah. Est-ce qu'ils coupent des têtes ? Est-ce qu'ils coupent des têtes ? Est-ce qu'ils font des attentats au Charlie Hebdo, etc. Cela, j'en ai pas vu encore. Bien sûr, vous avez raison. Donc, c'est une opinion comme une autre, entre guillemets. Oui, non, mais d'accord, mais si vous voulez, il y a de l'extrémisme. L'extrémisme, ça peut passer par des actes de violence, voire de meurtre, mais ça peut aussi passer par de l'extrémisme de pensée. Et c'est ça que je veux transmettre par mon idée, c'est-à-dire que l'extrémisme, c'est un grand mot, il est assez large en soi. On peut dire que l'extrémisme, ça peut être de couper la tête de quelqu'un, ou alors ça peut être de penser extrême, c'est-à-dire par exemple avec les témoins de Jéhovah. Après, bon, chacun a son opinion sur le sujet, hein, ça, je respecte. Mais de mon point de vue, l'extrémisme, c'est plus large que ça, si vous voulez. Il n'y a pas forcément on va pas dire que l'extrémisme, c'est absolument tuer quelqu'un pour être extrémiste. Disons que c'est la conséquence extrême de l'extrémisme. Mais jusqu'à ce jour, je n'ai jamais entendu dire que les extrémistes des autres religions soient allés jusqu'à faire des attentats. Ou je ne sais pas. Dans le monde, peut-être il y en a eu, mais je ne crois pas. Alors que l'extrémiste islamiste, lui, c'est tous les jours qu'il fait ça. Oui, non, mais je suis bien d'accord avec vous. C'est sûr que, après, tous les jours, je ne sais pas, mais c'est sûr que ces dernières années, avec les attentats de Charlie Hebdo, il y a eu les attentats du Bataclan, et ce qui s'est passé en 2015 de mémoire, c'est bien sûr, on constate que la religion de l'islam, c'est quelque chose qui est beaucoup plus violent, beaucoup plus, je vais pas dire haineux, mais. Enfin, c'est vraiment c'est plus violent, si vous voulez. C'est vrai qu'on constate plus que ces dernières années, on a des attentats qui sont faits par des terroristes islamistes. Bien évidemment. Après, je contredis pas du tout ça, si vous voulez. C'est sûr. Après, bon, on n'a pas vu. Moi, du moins, je n'ai pas entendu parler non plus d'attentats faits par d'autres religions. En revanche, ça doit exister dans d'autres pays. Éventuellement, on ne peut pas tout savoir, si vous voulez. Donc voilà, c'est mon point de vue là-dessus. Ok, mais c'est là où je vous rejoins sur les deux trucs, c'est que on a manipulé les gens par la pensée pour arriver à commettre des actes extrêmes. Et cette jeunesse qui est esselée, perdue, qui n'a plus de repères, elle a été manipulée pour une cause qui n'est pas la leur. Il y a quand même une grosse différence. Lisez le Coran. Et lisez l'Évangile. Dans le Coran, vous avez des sourates qui incitent à tuer. Pas dans l'Évangile. Oui. Chez les témoins de Jéhovah, je ne connais pas. Mais pas dans l'Évangile. Ça, c'est certain. Alors que dans le sourate, il y en a des quantités. Enfin, dans le Coran, il y a quelques sourates comme ça. Ouais. Mathieu, nous changeons de sujet. Oui, alors, donc la deuxième question pour vous, mon général.
C'est, alors, selon vous, l'année 2020 a-t-elle été une année décisive au point de modifier nos modes de vie futurs, avec par exemple le port du masque à chaque fois que l'on tousse? Je ne sais pas, et j'espère que non, je ne sais pas si ça a été une journée décisive pour le port du masque. Pour les changements de mode de vie, je ne sais pas. Ouais. Je ne crois pas. Mais cela reste à démontrer. En revanche, c'est une année, sinon décisive, du moins très importante, pour bien d'autres choses beaucoup plus larges que cela. Pour l'équilibre du monde, par exemple. On a pour... Alors, je veux dire quelque chose, attention, toute vie humaine est respectable. Hein. C'est parfaitement clair pour moi. Mais pour éviter quelques 70 000 morts en France aujourd'hui, pas encore, hein, en majorité des personnes très âgées, eh bien, on a mis le pays par terre. Et ça, ça risque d'être décisif pour l'avenir. Dans mon dernier livre, que je me permets de vous présenter ici, hein, voilà, qui a été écrit juste après le Covid, « Rebâtir la France après le Covid-19 ». Dans mon dernier livre, je disais que les suites de l'épidémie peuvent être infiniment plus dramatiques que l'épidémie elle-même. Donc ce n'est pas tellement dans les modes de vie, le masque, etc. Hein, mais c'est dans les conséquences économiques de l'emploi, en conséquences sociétales et, in fine, beaucoup plus loin encore, les conséquences sécuritaires, la capacité pour tout le monde de manger, c'est là que ça risque d'être beaucoup plus difficile. Parce que nous sommes partis, la gestion, encore une fois ce mot, la gestion de l'épidémie par ce gouvernement qui n'est pas un gouvernement de politique, pas plus que les autres, c'est pas lui qu'il faut jeter la pierre, c'est pareil depuis 50 ans. Eh bien, la gestion de l'épidémie a fait en sorte qu'on a déséquilibré la France complètement. Et pas uniquement la France, d'ailleurs. Hein. Et que donc, ça peut avoir des conséquences, ça peut, c'est pas une certitude, mais ça peut avoir des conséquences absolument dramatiques pour l'avenir. Et là, il y a effectivement un effet de bascule. Imaginez que, pour des raisons, économiques, on perde des centaines de milliers d'emplois, des millions peut-être. On ne pourra pas, ou alors il faudra saigner les retraités, tout le monde, hein, on ne pourra pas faire vivre des gens qui sont sans emploi pendant des années. Et de plus, le fait de ne pas travailler est extrêmement malsain à titre personnel, et à titre familial, et au titre social. Hein. Il n'est pas sain de ne pas travailler. Donc cela aura des conséquences morales. Les gens vont se renfermer sur eux-mêmes, ils vont s'appauvrir, il y aura forcément des conséquences sécuritaires. On commence à voir dans les campagnes, j'habite en pleine campagne, je lisais il y a quelques jours un article dans un journal, peu importe lequel, selon lequel l'insécurité s'installe dans les campagnes. Eh bien, il y a 10 ans maintenant, ou presque, que je dis que dans les campagnes, nous verrons ressurgir un jour les grandes compagnies. Les grandes compagnies, c'était des compagnies de bandits au Moyen-Âge. Il a fallu 50 ans pour s'en débarrasser. 50 ans. Et nous les verrons ressurgir. Tout simplement parce que les gens désœuvrés, eh bien, et qui en plus n'ont pas suffisamment pour manger, eh bien, ce sont des proies faciles pour l'insécurité. Donc on risque d'avoir un engrenage stérile qui risque de nous mener très loin. Voilà ce que je vois, moi, dans l'année 2020 et cette gestion calamiteuse du Covid, beaucoup plus que le port du masque, ça, si vous voulez. À mon avis, ça peut être, on peut l'avoir oublié dans quelques années, ça. Ça sera un mauvais souvenir. Mon général, je vais rebondir sur une question sur votre livre. Vous dites que le peuple doit, dans votre livre, que le peuple, à un moment donné, doit reprendre sa souveraineté. De quelle façon imaginez-vous cela ? Aïe. Bon, d'accord. Le peuple doit... Bien. Cela signifie d'abord que sa souveraineté lui a été enlevée. S'il faut la reprendre, ça veut dire qu'elle lui a été volée. Bien. Et donc, oui, j'affirme que le peuple n'est plus souverain. S'il l'a jamais été. Hein? Mais il l'est encore beaucoup moins qu'il y a ne serait-ce que quelques années, 10 ans.
Et si vous voulez, c'est un phénomène qui date de, là aussi, d'après De Gaulle. De Gaulle avait établi la Ve République sur un principe, lutter contre ce qu'il appelait le régime désastreux des partis. Tout au long de l'histoire de France, ça ne date pas d'hier ça, tout au long de l'histoire de France, depuis les Gaulois, les Français ont été tentés par le système des partis. Et nous avons un esprit fait de telle façon qu'à un certain moment, et bien entendu, les partis s'opposent, et puis à un moment, on préfère le parti à la patrie. On donne la prééminence au parti sur la patrie. On préfère, et donc le système des partis moi j'ai l'impression quand je les vois, quand je vois ce qu'on appelle aujourd'hui la politique, j'ai l'impression de voir des gamins sur un manège en train de se disputer pour attraper la queue du Mickey. C'est à peu près ça, quoi. Les partis, pardon. J'aurais dit celle de Griveaux, mais bon. C'était un jeu. Bien. Donc les partis détruisent la France. Et De Gaulle avait tenté, il n'a pas réussi, d'y mettre. Dès qu'il était parti, lui-même, eh bien, les partis ont repris tout doucement, remis tout doucement le pied dans la place, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, eh bien, il y a la prééminence des partis sur la France. C'est tout. Et donc, dans ce système des partis, vous, nous, le peuple, nous, parce que j'en suis moi aussi, le peuple, nous avons le choix entre des gens que nous proposent les partis. Hein? Et j'ai fait l'expérience moi-même au cours de la campagne présidentielle, je n'appartenais à aucun parti. Bon, il se trouve que j'avais une forme de dynamique personnelle dans la collecte des parrainages, ça marchait bien, ça allait très très bien. Et puis en janvier 2017, M. Fillon a eu les déboires que nous connaissons, donc il a fallu qu'il s'écarte. Eh bien, j'ai été appelé par deux députés qui m'ont proposé d'être le candidat de leur parti, je ne dirai pas lequel, en me disant, vous serez, si vous acceptez, vous serez au deuxième tour face à Marine Le Pen. J'ai dit banco. Mais j'attendais les conditions. Je ne pouvais pas accepter les conditions. Donc je n'ai pas été candidat. C'est tout, tout simplement. Mais ces gens-là, si vous voulez, les partis politiques ont tout noyauté. Ils ont tout accaparé. Et donc la souveraineté populaire. Hein. Aujourd'hui, vous n'avez plus le choix. Je dis aussi que depuis le départ, c'est-à-dire quasiment depuis 1789, la droite et la gauche vont dans la même direction. La gauche plus vite que la droite, tout simplement. Mais c'est la même direction. Et donc, bon, maintenant, la reprendre. On verra plus tard comment, si c'est possible. Parce que là, c'est très difficile, extrêmement difficile. Hein? Mais il faut aussi réfléchir à la souveraineté populaire. Ce que nous vivons aujourd'hui en France, c'est une souveraineté, ou disons une démocratie arithmétique. 50% des voix plus une, pat, vous êtes condamné à mort. Si, même si la peine de mort n'existe plus, bon, enfin, pat, vous êtes condamné à la prison à perpétuité, d'accord? Le lendemain, deux voix changent, il n'y a plus que 50% moins une voix, eh bien vous êtes libre. C'est un ridicule énorme. Et c'est vrai pour toute chose. Hein, donc, cette démocratie, cette souveraineté, c'est dire ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal, à 50% des voix plus une. Mais ça procède de quoi, ça? Ça procède de cervelle complètement à côté de la réalité. Tiens, une autre boutade que j'aime bien et que je fais souvent. Si les écologistes, là, hein, c'est très bien de s'occuper des pinsons, j'aime beaucoup les pinsons, j'aime beaucoup les roses, etc. Ils ont raison. Hein. Mais il faut d'abord qu'ils s'occupent de l'être humain. De l'être humain. Or, jamais ils ne parlent de l'être humain. Or, la souveraineté repose sur une conception de l'être humain. Et il n'y a que deux conceptions possibles en philosophie, deux conceptions possibles de l'être humain. Soit il est créé par un dieu, par la nature, etc., mais il est créé, il ne s'appartient pas. Soit, on ne sait pas d'où il vient.
Et à partir de là, si vous voulez, si la souveraineté considère que l'homme est créé, eh bien, elle prend une certaine voie. Si elle considère que l'homme n'est pas créé, ou bien qu'on lutte contre la nature de l'homme, voilà, hein, on lutte contre la nature de l'homme, eh bien, c'est une autre conception de la souveraineté. Je crois que pour bien établir les choses, pour la paix, hein, aller vers la paix, aller vers la sérénité, aller vers la concorde, etc., il faut revenir à ce que nos anciens disaient, je n'ai pas dit revenir au régime d'avant, le problème n'est pas là, hein, mais revenir à des conceptions que nous avons héritées des Grecs, des Romains, des Perses, des Persans, des Hébreux et du christianisme. C'est un même faisceau, si vous voulez, de conceptions qui amène à dire que l'être humain est créé. À partir de là, la souveraineté appartient, la souveraineté avec un grand S, appartient au créateur, que ce soit la nature ou un dieu. Et la souveraineté du peuple ne peut être que déclinée. Elle doit respecter le cadre général fourni par le créateur, sinon elle se froid, et sinon elle dévie complètement. Mathieu ? Mais je n'ai pas répondu à la question, comment on fait ? Mais ça, dans une autre émission. D'accord. Alors, mon général, alors moi j'avais une petite troisième question à vous poser. Les diverses fermetures d'écoles vont-elles avoir des conséquences indélébiles sur l'avenir des futurs adultes de demain ? Seront-ils moins aptes à comprendre la politique et le fonctionnement de notre société, d'après vous ? Oh non, si vous voulez, je pense que ces fermetures d'écoles aujourd'hui pour cause de Covid auront des conséquences, c'est évident, mais qui peuvent être rattrapées par une bonne politique scolaire. Beaucoup plus grave que ça, c'est l'évolution de l'enseignement en France. Je vais vous donner deux chiffres sur le même sujet. Un illettré, c'est quelqu'un qui sait lire PA, mais ne sait pas lire papa. En France, dans les années 80, nous avions 8% à peu près d'illettrés. Aujourd'hui, nous arrivons à 30%. Donc ce n'est pas les fermetures temporaires pour cause de Covid qui entament l'avenir de la jeunesse de France. C'est la politique d'enseignement depuis 40 ans. L'enseignement en français depuis 40 ans ne cesse de décliner. Il suffit de voir aujourd'hui les classements internationaux de l'enseignement français, que ce soit l'enseignement supérieur ou la maternelle, enfin pardon, l'école primaire. Ça va de mal en pis. Ça veut dire que là, la gestion et la politique sont complètement... Enfin, écoutez, il n'est quand même pas pensable que le gouvernement ne voit pas ce déclin, ne voit pas l'augmentation, par exemple, de l'illettrisme. Ce n'est pas pensable qu'il ne le voit pas. Et s'il le voit, il n'est pas pensable qu'il n'en tire pas les conséquences et qu'il ne rétablisse pas la situation. Pourquoi nos anciens savaient-ils... nos anciens d'il y a 50 ans, 60 ans, 100 ans, hein, disons après Jules Ferry, pourquoi toutes les générations après Jules Ferry, pas tout le monde bien entendu, mais savaient très bien lire, écrire et compter, et maintenant on ne sait plus. Maintenant, malheureusement, beaucoup de jeunes ne savent plus. Alors ceci étant, il reste une frange de jeunes, dont manifestement tu fais partie, Mathieu, hein, qui elle apprend. Elle apprend. Et j'ai confiance. Hein. Vous avez une ouverture d'esprit que nous n'avions pas, pour des raisons que vous connaissez, Internet, etc. Vous n'avez pas tout ça. Vous manquez souvent de profondeur, mais vous pouvez l'acquérir. Et certains d'entre vous, j'en suis témoin, acquièrent vraiment cette profondeur de réflexion, etc. Moi, j'ai confiance, mais pour une petite frange. Il faudra ensuite que cette petite frange qui arrivera forcément aux commandes un jour, eh bien, tienne compte du fait que les autres de sa génération, eux, n'ont pas eu sa chance. Voilà. Et il faudra rétablir. Un peu d'histoire très rapidement. En 1745, je crois, quelqu'un écrivait qu'en France, il y avait trop de bacheliers. En France, trop de bacheliers. Bien. Arrive la révolution de 89, c'est-à-dire que pas tout le monde, mais beaucoup, beaucoup de gens en France savaient lire, écrire et compter très correctement.
arrive la Révolution avec tous les chambardements, eh bien, les écoles se sont cassées la figure parce que la plupart des écoles d'avant la Révolution étaient des écoles tenues par des religieuses, des religieux. Donc, les Français n'ont plus appris à lire, écrire et compter. Eh bien, il a fallu attendre Jules Ferry, dans les années 1870, pour décréter l'enseignement obligatoire pour tous, et ça a été l'école de la République. Elle a été magnifique, elle a eu des résultats magnifiques, l'école de la République. J'en ai eu des témoignages fantastiques. Ma mère est allée 3 ans à l'école. 3 ans. Elle écrit parfaitement le français. Beaucoup mieux que M. Macron, pardon. Qui sait ça? Oui. Elle n'a pas fait l'ENA, elle. Hein, 3 ans à l'école. Mais c'était dans les années 30. Et puis ensuite, à partir de De Gaulle a commis une faute, là. Une erreur, au moins. Il a confié l'enseignement à la gauche. Ben, c'est la pire des choses qu'il fallait faire en matière d'enseignement. Voilà. Eh bien, oui. Hein. Et donc, tout l'enseignement français s'est perverti et on aboutit au résultat d'aujourd'hui. Ce n'est pas le Covid qui va le plus handicaper les jeunes, c'est toute la politique d'enseignement depuis 50 ou 60 ans. Voilà. D'accord. Bah écoutez, moi, je vais vous donner vite fait mon avis dessus. Alors, il s'avère que plus je regarde les mesures qui sont prises par le gouvernement en ce moment par rapport au Covid et aux écoles, bon, ça me fait un peu bondir. Malheureusement, je pense que la fermeture des écoles qui a eu lieu en mars, si je ne me trompe pas, de l'année dernière, je pense que ça va avoir, excusez-moi, quand même des répercussions sur le futur. Car au bout d'un moment, quand vous êtes en télétravail, que ce soit plein ou une semaine sur deux, vous n'apprenez pas les mêmes choses que quand vous êtes vraiment au lycée, au collège, à l'école. Je m'explique. Aujourd'hui, c'est clair. Pour mon cas, si vous voulez, je suis une semaine sur deux en télétravail. Et une semaine sur deux, je suis donc au lycée. Le souci, c'est que quand vous êtes à la maison et que vous travaillez à la maison, eh bien, le souci, c'est que vous avez toutes les distractions qui sont ouvertes à vous. C'est-à-dire, vous avez l'ordinateur, le téléphone portable, pour les moins disciplinés entre nous, le même manger ou quoi que ce soit. En fait, on n'a plus un rythme calé par l'enseignement. On a un rythme de vacances. C'est pas compliqué. C'est pareil pour les cours en visio. Quand on voit qu'aujourd'hui, il suffit juste de se connecter sur le logiciel de visioconférence pour suivre les cours en ligne, et que parmi ça, moi j'en connais qui vont faire autre chose, qui vont faire du shopping ou je ne sais trop quoi, et ben on se rend compte que mine de rien, une semaine sur deux, ben, y a un total décrochage. Et moi, c'est le problème qui me pose le plus avec le fait de fermer les écoles. Et quand j'entends Jean-Michel Blanquer parler d'une possible fermeture des écoles quand il y a des cas contacts, etc., enfin des cas de Covid avérés, y a un moment où je me dis, mais ce mec, il va complètement défoncer tout ce que l'enseignement construit. C'est-à-dire que aujourd'hui, si jamais on referme les écoles, ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir encore un décrochage. Et les programmes l'année dernière n'ont pas été totalement fini. Il y a des choses que l'on n'a pas vues. Et qu'aujourd'hui, arrivé au niveau supérieur, on nous dit, est-ce que vous avez vu ça? Eh bien, il n'y a pas de réponse. Donc, si vous voulez, moi, c'est surtout ça qui me pose problème. Et mine de rien... Et Mathieu, bien sûr que ça va poser des problèmes, c'est évident. Hein, mais ces problèmes sont... On peut les résoudre. On peut les résoudre assez rapidement, avec un surcroît de travail temporaire. On peut. Hein. On peut les résoudre avec les parents, on peut les résoudre dans le cadre de l'école, on peut les résoudre avec les frères et sœurs, avec les copains, etc. Bon, on peut les résoudre. Ils sont relativement... Il ne faudrait pas que ça dure 10 ans. Alors là, c'est clair. Hein. Mais si ça dure 1 an, bon, on peut les résoudre. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est la tendance de long terme, la tendance lourde, parce que ce que l'éducation nationale vit depuis maintenant 50 ou 60 ans, si tu veux... Hein? Et si ça continue comme ça, on est en train de ça devient une fabrique de crétins. Et quand je dis crétins, ce n'est pas vous qui êtes des crétins. Vous avez les mêmes intelligences que vos anciens. Vous avez les mêmes capacités. Hein? Mais simplement, vos capacités ne sont pas cultivées comme elles devraient l'être et non pas de votre faute à vous.
Hein. Et ça, c'est le masque, les fermetures d'écoles temporaires, oui, c'est néfaste, mais c'est rien du tout à côté de ces conséquences de long terme. Ouais, mais après, il faudrait qu'il y ait une volonté politique, et comme ils ne voient pas grand-chose, tous. Il faudrait déjà qu'on ressuscite la politique en France. Hein. C'est ça. Et pour ressusciter la politique, bon, je pense qu'on va y venir avec d'autres questions, hein, mais il faut remettre l'être humain au centre de tout, et il faut que... Pardon ? Oui, c'est ça. Et il faut que la politique retrouve sa vocation de service de l'être humain. La politique doit favoriser l'épanouissement personnel de chacun et de chaque communauté familiale et autres, hein, communes, etc. Hein, et voilà, l'épanouissement personnel. Or, aujourd'hui et depuis fort longtemps, eh bien, non seulement on ne favorise pas l'épanouissement au sein, par exemple, de l'éducation nationale, mais on favorise le rétrécissement, si je peux dire. Hein, voilà. Mathieu, je te laisse. Je vais acquiescer ce qu'a dit le général. Après, pour terminer juste sur ce sujet et passer au suivant, je pense que le problème le plus important aujourd'hui, c'est que c'est même pas le Covid. C'est un moment, aujourd'hui, on nous enseigne plus des choses intéressantes à l'école. Aujourd'hui, on a un problème, c'est que quand on n'est pas d'accord avec la bien-pensance, ce que j'appelle la bien-pensance, on est tout de suite... mis dans une case où, voilà, tu ne penses pas comme tout le monde, donc c'est pas bien, donc il faut penser comme tout le monde. Et le problème, c'est que le penser comme tout le monde, c'est penser comme le gouvernement. Et penser comme le gouvernement et forcer les gens à penser comme le gouvernement, moi, ça me fait vaguement penser à une dictature de pensée. Voilà. Ensuite, sur ma dernière question... Une tyrannie de pensée. Une tyrannie. Oui. C'est pas la même chose. Dictature et tyrannie sont deux choses très différentes. On peut y revenir tout à l'heure. Voilà, après, bon, pour terminer sur mes questions en général, je souhaitais vous poser la question de faut-il revenir à un modèle plus strict et nationaliste ? Nationaliste, certainement pas. Le nationalisme est une maladie du patriotisme. D'ailleurs, je crois que c'est Jean-Pierre Chevènement qui l'écrivait, ça, ou qui le disait. Hein. Le nationalisme, c'est une forme de communautarisme, c'est un repli sur soi agressif à l'égard des autres. Non, nationalisme, non. Ouais. Mais plus de rigueur, oui, mais qu'est-ce que c'est que la rigueur ? La rigueur à l'égard des personnes, bien sûr, si ce sont des malfrats, si ce sont des gens qui font des bêtises, bien sûr. Hein, mais il faudrait d'abord plus de rigueur au niveau politique, au niveau gouvernemental, hein, qu'on ait des hommes et des femmes qui sachent, un, ce que c'est que la politique, et deux, qui se mettent au service. À partir de là, tout rentrerait dans l'ordre. Alors, je ne vous dis pas que ça se fera en 5 ans. Mais en 5 ans, au moins, on pourrait semer les graines qui produiraient sur le long terme. Parce que, c'est toujours pareil, on voudrait avoir tout arriver très vite. Mais on ne peut pas. On ne peut pas. Hein. Il faut 9 mois pour faire un gosse, un enfant, à partir de l'insémination, n'est-ce pas ? Et pour faire un homme, parce que quelqu'un disait, il faut 60 ans. Bon, je suis content, je viens juste d'y arriver. Voilà. Mais c'est-à-dire qu'il faut épouser le long terme. Mais la rigueur, c'est d'abord avoir des chefs d'État, des gouvernants, des ministres qui sachent ce qu'est la politique. Et ce n'est pas des chamailleries de gamins sur un tourniquet pour attraper la queue du Mickey. Voilà, c'est pas ça la politique. Hein. C'est le service, c'est se mettre au service de la France et des Français, quitte à y laisser soi-même la peau. Eh oui, parce qu'un vrai chef, quand il est vraiment au service, il doit être capable, lui, de le payer de sa personne. Voilà. Et donc, la rigueur, oui, mais il faudrait bien entendu aussi la diffuser, cette rigueur, parce qu'aujourd'hui, on est même plus une nation. On est un agglomérat de groupuscules, de communautés communautaristes, etc., etc. C'est une vraie pagaille, la France, aujourd'hui. Donc, il va falloir rétablir des choses. C'est pour ça que je pense qu'il... sinon à la restauration du service national tel qu'il a existé, du moins à l'instauration d'un service national de cohésion. De cohésion, pour apprendre aux jeunes générations, garçons et filles, à se connaître, à vivre ensemble, à souffrir ensemble, à poursuivre des objectifs communs, à obéir à un chef, lequel chef doit être à leur service et non pas les mettre à son service. Hein. Première chose. Ensuite, que ces gens-là
à qui la nation aurait rendu service en leur faisant redécouvrir ce que c'est que être, faire partie d'une nation. Hein, eh bien, il faudrait qu'ils rendent eux-mêmes service à la nation. Par exemple, dans les sapeurs-pompiers, dans l'armée de terre, dans l'armée de l'air, dans le... peu importe, il y a des quantités de choses, on pourrait en créer d'ailleurs les gardes aux frontières, n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi, mais rendre service à la nation. Et pendant tout ce temps, on pourrait détecter aussi les jeunes les plus nécessiteux, tous ceux qui par exemple ne savent plus ni lire, ni écrire, ni compter, hein, qui ne peuvent pas prétendre à un emploi. Eh bien, c'est l'EPI, l'établissement public d'insertion de la défense, mais développé pour de telle manière qu'on... Alors, on va me dire que ça va coûter cher, d'accord, mais ce qui va coûter cher aussi, bien, c'est de les nourrir sans qu'ils travaillent. C'est les prisons, parce qu'ils vont faire des bêtises. On ne peut pas faire autrement, etc. Hein? Et finalement, ce que je propose là, c'est un investissement sur l'avenir. C'est un investissement pour l'avenir, n'est-ce pas? Plutôt que de construire des prisons, il vaut mieux construire des écoles et puis faire un service national de cohésion. Tout à fait d'accord. Plutôt que de partir vers une société qui, type Union soviétique, tiens, il y a quelque temps, j'ai rencontré une dame qui était polonaise et qui avait connu l'époque, comment dire, communiste. Et elle me dit, mais je vois la France dériver, vous allez vers une société de type communiste. C'est-à-dire... les libertés très encadrées et puis très policées, etc. Bien. Si on ne veut pas arriver vers ça, il faut, oui, de la rigueur, mais d'abord pour les patrons. Hein, et que ces patrons déterminent des règles qui permettent de relancer la nation sur sa trajectoire. Je me suis fait comprendre ? Oui, bien sûr. Oui, mais on a... Et c'est vrai que c'était un lien social aussi, le service militaire. C'est-à-dire que il y avait le peu importe le fils du docteur qui venait avec le paysan. Il y avait un mélange de la culture et c'est on a perdu tout ça. Oui, bien sûr. On se côtoyer le polytechnicien, le paysan, c'était très bien. Et ça C'était très riche. Bon, maintenant. On ne va pas revenir comme ça d'un seul coup au service national, d'autant plus qu'il n'est pas du tout certain maintenant qu'il y en ait un besoin militaire, hein, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que je suis assez réservé quant à moi sur le service militaire obligatoire. Ça veut dire qu'on considère que tous les garçons ou tout le monde, à l'époque c'était uniquement les garçons, est capable de faire la guerre. Or, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on est capable de faire la guerre. Il y a des gens, des hommes qui ne sont pas capables de faire la guerre. Hein. Et donc, c'est une exagération, n'est-ce pas? Ça, ceci étant, un service de cohésion, c'est très différent. Moi, j'avais une question qui est plutôt internationale sur les événements qui se passent actuellement aux États-Unis et la prise de position de M. Trump. Et on a vu ce qu'a donné un peu l'étape du Colisée. Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que ça peut avoir une influence sur l'Europe? Oh, non seulement sur l'Europe, mais sur le reste du monde, ça c'est clair. Hein? Bon, alors les États-Unis ont conquis, si je peux dire, la prééminence mondiale à partir de 1914, 14-18, bien, et surtout après 45. C'était, je me souviens d'une expression, c'était avant 90, avant la chute de l'Union soviétique, il y avait deux superpuissances, l'URSS et les États-Unis. Hein, et puis après 90, la chute de l'URSS, eh bien, il n'y avait plus que l'hyperpuissance américaine et qui dominait le monde. Bien. Ce pays, les États-Unis, on connaît un déclin depuis maintenant une trentaine d'années. Bien sûr, le déclin, c'est toujours pareil, ça commence tout doucement, et puis ensuite, ça se poursuit de manière beaucoup plus forte. Alors, pas forcément un déclin économique, mais quoique, hein, mais un déclin en matière de prééminence. On a vu surgir la Chine, on a vu se restaurer la Russie, on voit d'autres pays comme le Brésil, l'Inde, etc., qui commencent à sortir. Hein. Et tout ça, à l'échelle de l'histoire, je dirais, c'est...
un peu, bon, ça ne durera pas extrêmement longtemps, ni pour la Chine, ni pour les autres, mais à l'échelle de l'histoire. Mais aujourd'hui, les États-Unis sont objectivement dans une période de déclin, bien, et qui se traduit forcément, c'est pareil chez nous, hein, se traduit forcément par l'inquiétude, par une forme de l'inquiétude, y compris des citoyens, par une forme d'enfermement sur soi, donc une forme d'agressivité, etc. Je ne sais pas comment vont continuer les événements aux États-Unis, mais je sais qu'il y a des gens qui craignent une guerre civile aux États-Unis. Et ça ne serait pas la première, ça ne serait que la troisième, puisqu'ils sont nés d'une guerre civile. Bien. Je suis assez inquiet sur l'avenir des États-Unis, sur à court terme, c'est-à-dire sur 10 ans, quoi. Quant aux répercussions, eh bien, il était évident que nous nous sommes mis à la remorque des Américains depuis, en particulier depuis 1975, quoi, hein, surtout à partir de cette époque-là, et donc, nous en subirons les conséquences, nous aussi, d'autant plus que nos sociétés ne sont pas dans un meilleur état, même parfois bien pire. Même parfois bien pire. Hein. Par exemple, vous avez Trump d'un côté qui a fait augmenter le PIB de son pays de 1,2, je crois, et réduire d'à peu près 2 le pourcentage de chômage. Pareil, le dictateur, pour certains, le dictateur Poutine, eh bien, il a augmenté le PIB et puis diminué le chômage, tandis que le grand démocrate Macron a fait augmenter le chômage et diminué le PIB. Rendez compte, hein. Donc nous sommes nous aussi dans des situations extrêmement difficiles. Eh bien, il y aura forcément une synergie, un engrenage entre ce qui se passe et ce qui peut se passer aux États-Unis et ce qui se passera dans nos pays. Mais comme l'Occident reste le poids lourd mondial pour l'instant, eh bien, il y aura forcément des conséquences sur le reste du monde. Hein. Regardez l'agressivité de la Chine aujourd'hui. Bon, d'accord, la Chine va peut-être conquérir la prééminence mondiale, c'est possible, 1,5 milliard d'habitants, etc. Ok, ceci étant, la population de la Chine commence à baisser maintenant. Si bien que d'ici quelques années, j'exagère, les projections démographiques disent que la Chine, qui compte aujourd'hui 1,5 milliard d'habitants, ne rendra plus que 500 millions dans 100 ans, 500, un tiers. Vous vous rendez compte, la pente, hein, donc elle va forcément, elle aussi, perdre de sa puissance, de sa prééminence mondiale. Bon, on va arrêter là parce que sur les projections d'avenir, mais oui, il va y avoir des répercussions qui peuvent être, je ne dis pas qu'ils vont être, qui peuvent être dramatiques. Je ne cesse de dire, j'ai écrit que l'humanité est à, je crois que c'est la période charnière de toute son histoire. La période la plus grave de toute son histoire. Parce qu'elle s'est donnée, alors que ce n'était pas vrai autrefois, elle s'est donnée les moyens de s'auto-détruire. Elle s'est donnée les moyens de s'auto-détruire. Vous vous rendez compte un petit peu? Et il suffit d'un engrenage de folie, d'un engrenage d'inquiétude, etc., de gouvernants qui ne sont pas des gouvernants et qui ne pensent pas au bien commun, qui ne pensent... Bon, hein, eh bien, il suffit d'un engrenage pour qu'on aille vers le pire. Donc, nous sommes à un moment extrêmement grave. Extrêmement grave. Et donc, nous pouvons connaître des conflits. Je pense que nous pouvons connaître une guerre civile mondialisée, c'est-à-dire des guerres civiles partout, ou presque partout, hein, doublées de guerres entre États, doublées de guerres entre grands groupes financiers, hein, y compris de guerres militaires entre grands groupes financiers. Ça peut être une pagaille gigantesque. Hein. Donc, qu'en sortir ? Ça peut être, je ne dis pas, ça sera. Je ne dis pas ça sera, parce que le pire n'est jamais certain. Mais le pire est possible. Et pour éviter qu'il devienne certain, eh bien, il faut des chefs solides, oui. Que quasiment aucun pays du monde n'a. Et surtout quand on voit en Europe, et même en France, la contestation a été s'amplifie. Ça s'amplifie de plus en plus, quoi. Ça ne diminue pas. La contestation ? Oui. Oui. Populaire. Je veux dire qu'on n'a jamais vu... un gouvernement aussi mal aimé du peuple. Bon, je ne sais pas. Aussi mal aimé. Je ne sais pas. Allô ? Je ne vous entends plus là. Tu dis, ça fait quand même 2 ans que ça dure.
Oui, c'est clair que, bon, ceci étant, il faut faire attention aussi. Monsieur Macron est aussi un héritier. Oui, Hein? Il hérite d'une situation qui a commencé à s'enclencher à la mort de De Gaulle, au départ de De Gaulle. Voilà, tout doucement, tout doucement. Et puis il hérite de cela. Et a-t-il même l'idée d'autre chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hein? Mais ce qui est certain, c'est que nous avons aujourd'hui des générations de gouvernants ou qui se prétendent gouvernants. Hein? Parce que la prétention, là aussi, il y en a beaucoup. Hein? Qui n'ont aucune idée de ce qu'est la vraie politique, qui ne savent pas regarder sur le long terme. Écoutez, quand un président nous dit il y a quelque temps, arrêtez de vous serrer la main, vous imaginez De Gaulle dire ça à la télé ou? Hein? Quand vous avez un ministre, premier ministre qui fait une conférence de presse toutes les semaines ou presque pour dire, bon, on fera le couvre-feu à 18h au lieu de 18h15, enfin bon, ça, j'exagère bien sûr, mais enfin, on en arrive à des caricatures, ce ne sont plus des gouvernants. Voilà. Mais peut-être n'ont-ils même pas l'idée de ce que peut être un gouvernant. C'est vrai, hein? Parce que c'est voilà quelque chose de fondamental, fondamental à faire, une école de chef d'État en France. Pourquoi pas? Et par contre, dans le dernier livre, vous dites que la Ve République, elle est finie, Oui. que ces technocrates l'ont tué. Est-ce qu'il y aura une volonté de modifier l'état profond qui me semble englué mais est disparate et plus cohérent du tout? Alors, la Ve République, bon, son cadavre bouge encore, mais l'esprit est mort. Hein? Le cadavre bouge encore. Et elle a été tuée par, je le disais tout à l'heure, hein, par le système désastreux des partis, hein, qui se sont alliés en plus aux puissances d'argent, aux puissances idéologiques, c'est clair. Donc, la Ve République, maintenant, je pense qu'elle est en état de mort clinique, quoi. Bien. Maintenant, l'état profond, ce qu'on appelle l'état profond, eh bien, en fait, c'est quantité de choses. Mais si vous voulez, j'ai quand même l'impression qu'à des degrés divers, à des degrés divers et sous des modalités, bien entendu, très différentes, ce qu'on appelle l'état profond a quasiment toujours existé dans les sociétés humaines. Il y a toujours eu des influences, il y a toujours eu des achats d'influence, des gens qui se faisaient acheter, etc. Il y a toujours eu des complots. Aujourd'hui, on emploie le mot complotiste à tour de bras pour nous dire tais-toi. Mais ça me fait penser exactement à ce que, c'est une parenthèse que je fais, à ce qu'on nous disait il y a 40 ans ou 30 ans, encore, 30, même peut-être 20 ans encore. Hein, on n'était pas de gauche, donc on était fasciste. Et donc, on n'a pas le droit de parole. Maintenant, on n'est pas d'accord avec ce que disent les médias mainstream en français moderne, hein, donc on est complotiste. C'est ahurissant. C'est ahurissant. On nous met de côté, on est interdit de parole. Ça, c'est inadmissible. Hein. Mais je pense qu'à des degrés extrêmement divers et sous des modalités très diverses, ce qu'on appelle aujourd'hui l'état profond a quasiment toujours existé. Hein. Mais quand vous avez, notamment en France, c'est quand même le pays qui nous intéresse le plus, du moins moi. Quand vous avez un chef d'État, qu'il soit roi, empereur, président de la République, peu importe, d'accord, mais un chef, un vrai chef, qui dit on va par là, horizon 100 ans, on y va comme ça, tac tac tac, hein, tous derrière moi en avant, et qui se met au service. Mais l'État profond, il a quasiment plus rien à dire, parce que du moins, il va être mis de côté, parce que ce chef, homme ou femme, peu importe, roi, on s'en fiche, le problème n'est pas là. Mais ce chef qui est capable d'entraîner le peuple derrière lui, et je me souviens de De Gaulle, j'étais gamin quand il était président de la République, il est mort, j'avais 20 ans. Hein. Mais bon sang, mais il était suivi, sauf dans la dernière année, après mai 68, autrement, il était suivi. C'était un patron. Hein. Je ne dis pas que je suis un gaulliste inconditionnel, certainement pas, hein. Mais c'était un patron. Eh bien, lui, l'état profond, il faisait taire. Il faisait taire. Voilà. Eh bien, donc, je pense que c'est toujours la même chose, si vous voulez. Si on n'a pas de chef, de vrai chef, de vrai patron, qui regarde loin, qui se met au service, qui n'hésite pas à prendre des décisions fermes, mais qui
regarde les Français, elle est avec un regard d'amour. C'est vachement, pardon, très important, ça. Un regard d'amour. Eh oui, hein, tu n'es pas un objet, tu n'es pas un truc que je fais travailler, tu n'es pas un producteur, consommateur, futur vieux con, gêneur, tout juste bon pour l'euthanasie parce que tu coûtes trop cher. C'était pas ça, tu es un Français. Et je t'aime parce que tu es Français, tu es mon frère. Voilà, ça, c'est autre chose. À partir de là, si vous voulez, tout change. Tout change. Et justement, dans votre dernier livre, vous dites, vous changez les rôles du président de la République. En oui. fait, vous refusez ses missions. Je ne change pas, j'en ajoute un. Vous en rajoutez un. les quatre points, je les ai vus. Oui, les quatre livres. Oui, c'est-à-dire que le chef d'État, le président de la République, il faut distinguer le président de la République et le chef d'État. C'est dans la même personne, hein, bien sûr, dans la Ve République, c'est la même personne, mais ça pourrait être en deux personnes. Bien. Le président de la République, il a traditionnellement, dans la Ve République, deux fonctions. Ça y est, maintenant j'oublie. De conduire la nation, conduire la nation et faire l'unité de la nation. Conduire la nation, ça ne veut pas dire faut mettre un masque. Hein. Non. Conduire la nation, c'est regarder loin devant. Regarder loin devant et dire voilà ce qu'on va faire et ce qui produira ses effets dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Conduire la nation. Bien. Unir la nation, c'est surtout dans un pays comme la France, la Gaule. Hein, la désunion, on connaît, nous. Hein. On est très fort là-dessus. On pourrait être prix Nobel de désunion. Et d'autres choses encore. Eh bien, il faut quelqu'un qui fasse l'unité en permanence. Et comment on fait l'unité? Mais d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, en aimant la France et les Français. En faisant aimer la France aux Français. Aujourd'hui, on est exactement le contraire. On déboulonne les statues de nos héros, on fait des crises de décolonialisme. C'est ahurissant ce qu'on fait aujourd'hui. Au mépris de l'histoire, de la réalité. Hein, je sais, moi, je suis allé, j'ai fait passer 15 ans de ma vie en Afrique, et quand on nous dit qu'on a fait que des saloperies là-bas, je les invite, ces gens-là, à aller voir sur l'île de Gorée. Il y a un monument aux morts des médecins et infirmiers et pharmaciens, morts pour lutter contre je ne sais plus quelle maladie, rien que des noms de Français, qui sont morts pour des Africains. Dans les années 20 ou 30, il y a 100 ans. Hein, enfin, faut arrêter de dire n'importe quoi. Hein. Donc, faire aimer la France, la faire connaître en profondeur et aimer les Français, enfin, nos élites, ce qu'on appelle élite, parce que ce n'est pas du tout la définition de l'élite, ce n'est pas ça. Hein, hein. Les gens qui nous gouvernent, qu'est-ce qu'ils connaissent de la France hors de Paris? Ben oui, ils connaissent la Côte d'Azur parce qu'ils y vont en vacances, ils connaissent Courchevel parce qu'ils y vont en vacances, puis à part ça, ben, il reste en toute vitesse, etc. Il vient... enfin, hein, je crois que moi, l'une des réformes fondamentales pour l'ENA, ce n'est pas de la supprimer, c'est d'envoyer les énarques, après leurs années d'études, de faire 2 ans dans l'armée, 2 ans, etc. Là, oui, là, ils apprendraient à connaître la France et les Français. Hein, mais parce qu'ils sont complètement déconnectés. Ils ne peuvent pas faire aimer la France, parce qu'ils ne la connaissent pas. Ils se situent dans une société mondiale, et ils méconnaissent notre société nationale. Et ce n'est pas forcément de leur faute, attention, c'est un constat que je fais. Je ne suis pas en train d'accuser, mais c'est tout le système qui... Voilà. Donc, voilà, le président de la République doit aussi faire l'unité des Français. Et rien de mieux pour faire l'unité des Français que de dire « on va par là, en avant, derrière moi, on y va ». D'accord ? Je vous aime, il faut aimer la France. Et voilà pourquoi il faut l'aimer. Bien. Et la troisième mission que moi je voudrais lui donner, au chef de l'État, c'est de se préparer ses successeurs. Hein, parce qu'il y a, en France, il y a plein, j'exagère, il ne faut pas exagérer, il faut aller doucement. Il y a des gens, hommes et femmes, qui ont une carrure de chef d'État, et à qui la route est systématiquement barrée par les partis politiques en particulier, pour des raisons partisanes, financières, idéologiques, oh là là, attention, hein, eh bien, alors qu'ils rendraient les plus grands services à la nation. Eh bien, pourquoi ne pas envisager que le chef de l'État, le président de la République plutôt, repère ces gens-là et les forme
et puis leur donne des postes, etc. Puis ensuite, au moment où il s'en va, donne le choix à la nation. Voilà. Hein. J'ai, comment dire, il y a un grand chef d'entreprise qui m'a appris ça, Jean-Louis Beffa. J'avais visité Saint-Gobain à l'époque où il était président, et puis il nous avait dit, c'était en 85, hein, il avait dit, moi, vous savez, en 1985, moi, ce qui va se passer jusqu'à l'an 2000, bon, ça, non, c'est plus mon problème. Moi, je m'occupe de Saint-Gobain d'après l'an 2000, c'est-à-dire 15 ans plus loin. 15 ans plus loin. Et mon premier souci, c'est de repérer et de former les gens qui seront susceptibles un jour de prendre ma place. Alors ça, je peux vous dire, ça, je peux vous dire que c'est fort. Ça, c'était un patron. Hein? Eh bien, on sait en France former nos militaires, nos préfets, nos médecins, nos enseignants, etc., etc., mais on ne forme pas nos politiques. Hein? Donc là, il y a une faille énorme. Voilà, je crois, une mission particulière pour le chef de l'État. Je vais passer la main à Bruno, parce qu'il est avec nous quand même. T'as plus de son, Bruno. Hop. Non, je vous en prie. Ouais, mon général, vous avez abordé au début de cette émission votre précédente tentative pour vous présenter au présidentiel. Alors, ma question, c'est est-ce que vous avez l'intention de vous présenter aux élections de 2022? Et si oui, en quelles conditions? Alors, je vous ai dit pourquoi je n'ai pas réussi à être vraiment candidat, mais uniquement candidat à la candidature, n'est-ce pas? J'avais pas loin de 1000 promesses de parrainage et j'ai eu 84 parrainages effectifs. Dès le lendemain, j'ai appelé des maires qui m'avaient dit « je vous parraine ». Un seul m'a dit, non, deux m'ont dit, sur la douzaine que j'ai appelé, deux m'ont dit « bon, vous comprenez, je vais choisir entre vous parrainer et puis avoir les finances pour ma piscine hein, » ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai préféré ma piscine. Okay. Hein. Les autres m'ont dit « je vous ai parrainé ». Et leur nom n'était pas sur la liste de mes parrains. Bien, donc j'arrête là pour voir, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être, bon, peu importe. Alors, ce que je veux dire, c'est que 2022, s'il n'y a pas de changements radicaux, eh bien, je serai devant le même problème. Je serai devant les mêmes puissances d'argent, devant les mêmes partis politiques, devant les mêmes idéologues, devant les mêmes médias qui m'ont, en français moderne, blacklisté, n'est-ce pas? Ou quasiment tous. Hein et donc, je n'ai quasiment aucune chance. Donc, si vous voulez, j'attends pour l'instant, parce qu'il reste encore un peu de temps, pas trop, bien sûr, hein, j'attends. Mais ce que je dis, c'est que, comme je l'ai dit au tout début, eh bien, moi, je reste disponible. Soit appelé par le chef de l'État, le président de la République, soit pour, comment dire, poussé par exemple, Elysium Pat, et RFM, etc. etc. Hein après tout, on peut très bien avoir dans notre pays, comment dire, un mouvement populaire, pas un mouvement au sens organisation, mais voilà, une volonté populaire qui dise on veut un tel. Pourquoi pas? Parce que si on a, si on, pardon? On veut du changement profond. Voilà, si on veut du changement profond, il faut tenir compte du paysage actuel qui n'est pas aujourd'hui, il faut un changement de système. Et dans le système actuel, moi, je ne passerai pas. Et je m'en fiche, à titre personnel, je me fiche complètement d'être président de la République ou pas. Vous savez, je suis très bien chez moi, mon potager, etc. Hein. Voilà, je suis très très bien chez moi. Hein. Mais je suis français, j'aime mon pays, j'ai amené des garçons se faire tuer pour mon pays. Je vois que mon pays va mal et je reste disponible pour essayer de le sortir de cette mauvaise passe. Donc, il est assez peu probable aujourd'hui que je me présente parce que ce serait dans le système qu'il faut changer. Et ce système ne me laissera de toute façon pas passer. Mais s'il y a un mouvement populaire, attention, s'il y a violence, je refuse. Je refuse.
J'ai vécu 4 guerres civiles sur le terrain. Ce n'est pas du tout pour en lancer une en France. Hein. Certainement pas. Hein. Donc ça, je refuse. Mais un mouvement populaire pacifique qui dit qu'on veut changer de système et pour le changer, il faut ça. Et là, tout à l'heure, j'ai dit un mot. Je reprends une émission d'Éric Zemmour. Vous avez dit tout à l'heure, Bruno, que nous étions en pleine dictature. Je crois qu'il faut revenir. Alors aujourd'hui, on mélange les mots. Et c'est volontaire parce que quand on mélange les mots, eh ben, les gens sont perdus. Bien, il faut bien distinguer. Il y a la dictature d'un côté et la tyrannie de l'autre. Eh bien, ce sont deux systèmes qui datent des Romains et des Grecs. Pour faire court, le tyran, c'est quelqu'un qui prend le pouvoir pour lui-même, qui se sert, qui n'hésite pas à tuer pour garder le pouvoir et se servir. Tandis que le dictateur est appelé par le souverain, qui lui donne un mandat, une durée, pour rétablir ou modifier une situation. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait trouver quelque chose comme ça. C'est ça, c'est le régime d'exception, si vous voulez. Un régime d'exception, c'est toujours bref. Mais aujourd'hui, nous risquons très gros en France. Nous risquons très, très gros. Ça risque de dévier, de dériver vers des, malheureusement, vers des choses dramatiques. Eh bien, il faut en prendre la mesure et décréter un régime d'exception. On calme le jeu. On établit de nouvelles règles. De nouvelles règles dans lesquelles on instaurera une démocratie avec une souveraineté du peuple, une participation, etc., etc. Bon, je ne veux pas durer trop longtemps, mais je crois qu'il faut. Moi, je suis prêt pour ça. J'espère que le message est bien passé. et oui, il y a. Donc, c'est important de savoir que des personnes veulent se mettre au service du peuple et pas être élus. La différence, elle est fondamentale. En tous les cas, moi, je vous remercie, mon général, d'être venu. Mathieu, tu as quelque chose à rajouter ? Quelque chose à ajouter ? Non, pas spécialement. J'ai été très, très honoré de débattre avec le général Didier Tauzin. Merci, Mathieu. J'espère qu'on se retrouvera un jour. Avec plaisir. Oh. dans un bar. D'abord, s'ils sont ouverts. En tous les cas, moi, je vous remercie. Je remercie à tous les internautes qui nous suivent, les frères d'armes qui ce soir vous regardent en général, que j'ai conviés. Nous ferons peut-être une autre émission avec un système de questions-réponses avec ceux qui nous regardent. Vous permettez ? Vous parlez des frères d'armes, donc des anciens militaires en particulier. D'abord, je leur dis toute mon amitié. Et ensuite, ma certitude est que l'armée, les militaires, qu'ils soient d'actifs, de réserve, en retraite, etc., ont un rôle éminent à jouer pour pacifier, régénérer, redorer, faire aimer la France et la relancer pour l'avenir. C'est une mission que nous avons. Une mission. N'oublions pas que nous sommes les héritiers de 1 500 000 tués pour la France en 14-18. Nous sommes les héritiers de ceux qui sont battus en 39-45. Nous sommes les héritiers jusqu'au haut des chevaliers. Tous ces gens qui ont donné leur vie pour la France. Eh bien, aujourd'hui, dans un contexte très différent, eh bien, nous devons suivre leur exemple. Il n'y a rien d'autre que le service de la France qui doit nous animer. Rien d'autre. Avec la paix, l'amitié entre nous et à l'égard des autres. Et surtout, l'amour de la France. Je vais laisser le mot de la fin à mon compère Bruno. Je remercie encore Mathieu de s'être prêté à ce petit exercice. C'est avec plaisir. Voilà. Et donc, je vais laisser je vous remercie encore tous. Et par contre, après la fin, vous restez dans le live. Hein. On va débriefer un petit peu. On ne cache rien à personne. Bien. En tout cas, mon général, merci d'être venu et d'avoir répondu à nos questions de façon claire. Mathieu, merci d'avoir accepté de te confronter à ce rock que nous avons reçu. Ah bon, on va en faire un petit peu quand même.
Pat, ben merci aussi à toi, hein, comme d'habitude. Et puis, nous invitons les internautes à nous rejoindre lors d'un prochain live. Vous le savez que maintenant, nos lives ne sont plus hebdomadaires, mais fonction de un peu de ce qui se passe et des invités que nous recevons. Donc, on vous préviendra à l'avance pour un prochain live. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci encore. Et à bientôt. J'ai une petite seconde, c'est n'oubliez pas d'aller liker les pages de RFM et du premier CPC. Sur le premier CPC, vous avez la charte. Rejoignez-nous, anciens militaires, forces de l'ordre, pompiers ou citoyens engagés. Bien sûr, vous avez raison. Moi, j'ai parlé aux militaires, mais aussi les pompiers, les pompiers, c'est vrai, les policiers, etc. Vous avez parfaitement raison. Tous ces gens-là sont au service de la France et souvent au risque de leur peau. On l'a encore vu il y a quelques jours pour les gendarmes.